À présent, nous accueillons pour topic conversation. Et aujourd'hui, bon matin, nous avons plaisir pour nous accueillir dans le studio Dr. Naomi Adeline. Bienvenue, Dr. Adeline. Comment ça va? Merci, mon bien, merci. OK. Et aujourd'hui, topic conversation, nous pour cause la fièvre zone et aussi une campagne que le ministère de la Santé a lancée depuis 2016 et qui terminait en mai salanin pour donner un vaccin bon citoyen, c'est ce loi, bon dimon ici, pour empêcher qui six ans même jour, il y en a un l'épidémie, ma autres gang affecté. Peut-être pour commencer, Dr. Adeline, on nous cause l'eau sa campagne vaccination contre la fièvre zone, qui distance d'en arriver, et est-ce qu'il y en a beaucoup de monde qui viennent devant pour prendre autre vaccin? Bon, campagne, pareil, nous mentionnons, si depuis 2016, nous pensons couvrir la population avec vaccin la fièvre zone. Et campagne de commencement, c'est un petit peu doucement, mais seulement depuis l'année passée, nous gagnons un bon petit monde. Ces lois sont difficiles. Ben qui peut voyager souvent et venir à cause d'autres connaît pour dire peut-être d'aller fêter d'autres capables de voyager dans bon pays qui est dans la fièvre zone. Mais seulement il y a un grand groupe ces lois qui imagine bien moment pas posant mais voyager à faire faut des mois aller et nous peut envoyer l'appel, lancer l'appel avec sa bonne groupe qui même si ou pas voyager ou bien peut-être ou pas posant mais voyager la fièvre zone est aussi capable d'être ces et alors c'est important qu'ils autres aussi autres couvrent. Alors nous gagnons quantité étrangers qui intéressés et nous gagnons bon l'endroit que nous allons demander l'endroit construction que nous donne même bon indien qui nous fait grand l'année pour venir prendre notre vaccin mais c'est mal avec ces lois c'est là quoi un peu difficile pour et pour rien ça bon vaccin pour le moment et pour rien sur les pas c'est payé mais seulement depuis là nous lançons la campagne nous peut donner vaccin pour rien depuis août 2016 et là pour rien jusqu'à mai 2018 inclus ce bon l'endroit construction c'est mon business, c'est mon étranger. Pour tout le monde qui a envie de vaccin la fièvre zone, c'est pour le moment, dans sa l'état qui est dans sa campagne, il n'y a rien. Mais seulement pour les autres gagnants de la zone qui ont besoin de voyager avec, sa la zone qui a besoin de payer. Mais c'est mon vaccin, il n'y a rien pour tout le monde pour le moment. Et une fois qu'on gagne sa vaccin, par exemple, longtemps tu dis, le temps on prend, tous les 10 ans, on a besoin de reprendre encore une autre dose, est-ce qu'il y a encore pareil? Alors, le protocole avant, tous les 10 ans, tu peux besoin d'un vaccin. Mais pour le moment, le protocole est sans recherche montre pour dire un seul vaccin suffit pour protéger pour la vie. Même ben des monde qui ne prend d'autres vaccins dans le passé, d'autres aussi d'autres vaccins valides et peut protéger pour la vie. Alors c'est un des monde imaginez quand il prend son vaccin et il y en a un détail sa vaccin qu'il prend, il est capable de venir avec avant il peut travel pour lui faire son livre zone avec. À cause tout le monde qui ne prend aucun vaccin la fièvre zone là est couvert pour la vie. Mais quoi qu'il fait ça sens dans le protocole à cause avant mon magasin et l'organisation répété par WHO, il dit au bout du besoin de prendre tous les 10 ans après l'état sans ma situation. Quoi qu'il oui, il y a une recherche tout le temps. Sur les passés, les autres recherches, ils montrent pour dire qu'ils sont capables de protéger pour 10 ans, mais tu n'as pas une recherche assez forte pour montrer pour dire qu'ils n'ont pas besoin de booster dose dans les fêtes. Mais c'est moi là, vu qu'il y en a des gens qui prennent la fièvre zone pour quitter l'année et recherche ils développent. Alors, les recherches, ils montrent pour dire présent, il suffit pour couvrir pour la vie. Il y a que pour les gens qui prennent tous les 10 ans dans les passés, il n'y a pas de problème, mais seulement là, nous réalisons pour dire qu'ils n'ont pas besoin. Mais si mon prend 10 ans, 10 ans passés, par exemple, comme si style mon pas trop fier, mais ça qui je te dis ça protocole à cause de une sensé, mon vient un booster dose. Est-ce que je peux donner? Non, sinon non, l'évidence qu'on prend et nous connaît pas nécessaire ou qu'on est dans la santé avant nous donner vaccin ou bien nous donner l'artisan ou quelque chose qui nous fait, nous besoin balancer risque avec bénéfice. Si nous voyons qu'on déjà pas au vaccin de les passer, alors un nouveau vaccin pas donne aucun nouveau bénéfice, mais seulement on peut exposer le corps avec bon effet adverse qu'on capable gagner, il pas fait sens pour nous donner un vaccin qui pas donne aucun effet adverse, un vaccin la fièvre zone. Vaccin la fièvre zone il est vraiment rare. Alors, si vous êtes capable de gagner peut-être un petit la tête fait mal ou bien douleur, quand vous gagnez ça pique, ça est bien quelque chose qui dit que cause l'eau la plus bien. Mais si vous aucun dit qui ne prend vaccin à la fièvre zone, dès sa première 10 jours, aucun symptôme qui vous gagne, vous devrez être informé. Il est important qu'il y ait une masse d'âge, alors aucun dit qui peut gagner aucun effet adverse qui nous pas des avoir. Alors, il faut des autres venir. Mais seulement l'effet adverse pour le moment est vraiment minimum. Mais c'est pour un petit monde qui nous connaît fini prend et pas peut gagner aucun nouveau bénéfice, nous ne pouvons pas donner un deuxième vaccin. Il n'y a pas besoin.
Mais docteur Adine, quoi ça vraiment la fièvre jaune? Bon, la fièvre jaune est une maladie causée par un virus et ben l'épidémie. Pour le moment, il existe dans les pays sud de l'Afrique, avec quantité de pays de l'Afrique même, et il est capable donne nous pareil ça nous y appelle la fièvre zone. Alors c'est capable de nous la fièvre, il y en a des monde qui ont un petit la fièvre après passer, mais c'est moyen un groupe de monde qui plus tard est capable de développer son effet plus sévère que tout capable gagner la zone, se voir les évins zone, la peau évins zone et ben organes des autres corps y arrête fonctionner et capable cause la mort aussi. Et alors nous d'une façon prévention, nous avons fait, c'est nous protéger nos populations. Là, avec la quantité de monde qui peut voyager tout le temps, il y en a un risque que la fièvre zone est capable de dresser celle. Et c'est celle, nous, on a sa moustique qui est capable de transmettre la fièvre zone sur le côté du monde pour l'un l'autre. Alors, nous pouvons faire ce qui nous peut prendre précaution et nous pouvons essayer protéger nos populations. Bien bonne. Nous prenons un record de quel cas la fièvre zone, c'est celle? Pour le moment, non. Non. Il n'y a pas aucun record de la fièvre zone, c'est celle. Mais seulement, l'enfant, c'est nous, on a sa moustique qui est capable de transmettre la fièvre zone et du monde peut voyager. Alors, ce risque tout le temps là, qui est du monde avec la fièvre zone. Quel niveau ça risque? Il est difficile pour mes niveaux. Il n'est pas haut. Il faudrait un pays qui nous peut gagner un avion direct là, pour gagner l'épidémie de ça l'endroit, around airport, que l'avion peut venir. Là, nous dit risque haut à cause du monde peut venir directement sortir de l'endroit de l'épidémie pour venir. Mais seulement comme là, nous parlons de cet endroit, nous sommes peut-être là, nous sortons là, moi, le Kenya. Kenya en 2016, si les années l'épidémie la fièvre zone, qui l'a incontrôlé. Sorti Kenya, ou capable de parler de l'autre pays, Nigeria ou bien Brésil. Alors, il tout le temps dans ce bon pays qui gagne l'épidémie la fièvre zone, qu'on dit, mon voyage, il y a ce bon pays, et autres viennent cesser aussi. Qui l'âge qu'ils ont commencé à administrer le vaccin à fièvre zone? Bon, depuis 1995, nous commençons à vacciner tout le monde qui a un an, bon baba un an. Alors, sur 15 enfants qui sont 95 ou bien après, ils ont fini couvert avec le vaccin à fièvre zone. Et après ça, bon qui peut comprendre jusqu'à l'âge 60 ans, nous pouvons faire tout le monde. Par là aux 60 ans, nous pas d'advice qu'ils ont pas, mais c'est moyen d'en dire mon qui leur mesure risque bénéfice, ils ont gagné permission pour prendre le vaccin quand même. Mais c'est moyen nous invite tout le monde qui est en bas 60 ans et qui n'est avant l'année 1995. Oui. Mais à cause pardon, mon par là aux 60 ans. Encore, nous pouvons mesurer le risque et le bénéfice. Un monde parle aux 60 ans, le système de défense commence à descendre plus et sa vaccin, il y a un vaccin live. Nous ne pardonnons aucun monde qui système de défense bas. Par exemple, aucun monde qui a le bon traitement, qui fait le système de défense descendre pour soit à cause d'un cancer ou soit à cause de faire l'opération transplant ou bien des monde qui a un HIV qui n'est pas contrôlé, qui système de défense bas. Ça, il y a des monde qui ne pardonne pas ce vaccin. Et après, il y a des monde qui a risque, qui n'ont pas vraiment en théorie ont un risque, mais c'est moi-même si n'a pas la preuve fort, ben madame enceinte, nous éviter donner, ben madame qui peut donner tété, nous éviter donner, et ben des monde qui parle aux 60 ans aussi, nous éviter donner. Mais c'est moi encore, ben des monde parle aux 60 ans, si vous payez dans l'endroit que dans la fièvre zone, ils ont insisté, là nous capable consulter les autres et voir est-ce qui bénéficie plus qui risque pour les autres. Oui. Si d'un bon matin soit disons une épidémie, SSL, il a un risque assez haut, ou peut-il refuser, heureusement, ils ont pardonné. Est-ce qu'ils ont peut-il maintenir, qu'ils ont pardonné, disons, pas là aux 60 ans? Ah non, là, risque est censé. Encore, nous avons besoin de mesure, risque et bénéfice. Si la fièvre zone arrive là, et risque haut, d'un bénéfice pour un vaccin, et plus qui risque, est-ce qu'il pourrait l'effet adverse avec le vaccin. Sur ce bon groupe, il n'existe pas black and white. Ou pas qu'il existe dit oui, je peux donner, non, je ne peux pas donner. Il dépend le risque, il dépend la situation. Mais c'est moi, 10 monde qui parle à 60 ans, qui ont un système défensif fort, nous invitons tout pour venir prendre un vaccin là, et pour n'en rien pour le moment. Il y a un dimoni précisé, Mme Incol, il demande à cause qu'ils n'ont pas mis l'annonce, la radio, la télévision, et dit, à cause souvent de fin, les oiseaux de médias, soit la porte, contre la boutique, contre l'hôpital, à cause de ne pas faire les médias publics, chaque fois que je parle d'un endroit, pardonnez.
OK. Nous essayons de mettre les médias. La télévision, peut-être, nous ne pouvons pas mettre assez d'efforts, si tout ça avant, contre le monde de la télévision. Mais seulement la radio, nous mettons, même si tu peux faire un programme, nous faisons l'annonce au milieu de ce programme pour nous. Le Facebook, nous faisons une petite vidéo, mais c'est la santé, nous faisons une vidéo, nous mettons le Facebook, nous essayons de demander aux gens pour cher. Nous essayons de mettre, et dommage qu'il y ait des gens qui peuvent dire que ce n'est pas encore tant nommé. Peut-être nous ne pouvons pas mettre assez d'efforts, nous essayons de pousser. Là, nous venons d'un bon. Bonjour, c'est là aussi pour faire connaître. Il faut espérer, peut-être là, nous avons gagné plus de monde qui connaît et nous aussi passent les formations pour nous. Présent, qui bon, qui m'a dit monde, à cause de l'infini, fait le tour de mon district. Vous avez couvert tout district. Nous avons couvert presque tout district. Je n'ai pas la liste pour le moment. Nous faisons une campagne de bonne district administration. Pour le moment, nous pédons CDCU de lundi après-midi, mais c'est mon frère au call pour mettre appointement à cause pour nous connaître si c'est dimanche et pour faire si nous préparons nos vaccins bien. Si nous gagnons dimanche en plus aussi, nous pédons d'autres à cause la plupart fois est capable d'en décrister. Après, de bonne clinique aussi ou capable call pour regarder quand qu'ils ont pédons d'autres vaccins la fièvre zone. Normalement, nous choisis un jour que nous donne plaisir dimanche et là aussi, ils sont capables mettre zone non. Pour ben la doit travailler, il y en a doit travailler qui peut être un grand groupe de monde qui pas comprend, ils sont capables de call CDCU et là nous capable organiser pour aider. Combien disons, il y en a doit travailler combien à peu près. Nous préférons, si nous pour bouser, nous préférons plus que 50 personnes. Moins que 50, peut-être plus facile pour nous organiser pour nous venir de lundi. Alors, si plus que 50, là, nous allons bouger, nous allons faire une façon pour venir côté de l'été et vacciner tout le monde. OK. À présent, l'étonne, parce qu'il y a un vaccin qui est là, il faut dire nous. Ça veut dire, explique-nous bien, ou déjà, ça veut dire, ou peut donner nous ça virus même, comme si nous le croyons qu'il y a identifié, qui est donc, so, on peut donner un virus qui n'est pas cause de sa maladie, la fièvre zone, mais seulement sur la forme, tout quelque chose pareil, un virus, la fièvre zone, et alors sur le corps, il prépare pour combattre contre un virus, la fièvre zone. Qui m'a dit, immunité, c'est normalement. Si on peut gagner ce virus lui-même qui donne la fièvre zone, ou le corps n'a pas gagné l'état pour préparer depuis la guerre avec, ou finir sa maladie. Tandis qu'ici, on gagne li dans la forme, quand il n'a pas donné sa maladie, mais c'est où le corps gagne l'état de développer sa immunité. Développe son défense et là il peut réparer, il met tout son soldat dehors pour next time l'autre entrer, de suite il combat et il fait ce qu'il peut gagner. Est-ce qu'il y a un bon cas, même si minimum, qui ou le corps, même si on gagne sa vaccin, il pas vin immune et on a possibilité qu'on capable actuellement gagner sa virus plus tard? Pas que m'en connaît. Mais seulement encore dans la science, nous pas en médecine 100%. Alors, il faudrait dire que son système de défense est immense et est capable de réacter avec nos vaccins. Et encore, nous pas en médecine 100%, mais c'est pour qui me connaît, non. Présent, l'état nous peut causer la fièvre zone. Nous peut dire peut-être il n'a pas, c'est celle et. Vraiment, il faut à moins ou peut voyager. Même si nous avons un type moustique qui est capable de propager sa virus, peut-être que c'est ça la raison à cause du monde, pas avoir trop significant pour vous à prendre sa vaccin. Mon quoi, ça même, ça quelque chose de plus difficile avec prévention. En général, un démoni intéressé avec une maladie signe gagne. Et il est vraiment difficile pour nous capables de pousser prévention avec le public qui peut-être pas aller à risque d'aller passer. Nous, dans les autres épidémies, et c'est l'état qui dit que réacté, c'est là qu'il affecte nous personnellement. Et là, l'état pour moi lance l'appel qui est vrai, il peut affecter personnellement, mais c'est ma prévention. Il peut libomasser, il peut facile, il peut facile contrôler. Alors, si vous devant moi la santé, mon responsabilité, prends le vaccin et fais ce qu'il y a aucune épidémie qui lève dans les fêtes ou qu'on ait une prothèse ou le corps pour la fièvre zone. Il fait mal pour prendre un vaccin? C'est une bonne question, nous gagnons assez souvent. Bon, il y a piqué. Et ni piqué qu'on gagne, comment on piqué? Pour ça, c'est un petit roulette seulement. Non, il pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. À cause de mon finit pas, il pas fait mal. Pour moi, il pas fait mal. Mais seulement, il est un piqué qu'on gagne. Oui. Vous connaissez, mon dieu, la vie, on gagne un piqué qui est un petit peu. Par exemple, on donne 10 ans, ou pas trop senti, même si gros, mais on dit piqué, on dit plus.
Plus fait mal, non? Ouais, le bonheur, c'est bien. C'est vraiment sharp, le donne okay. Vaccin. Alors, c'est pas OK. Distress, okay. C'est un petit moment après, c'est pas OK. Docteur Adeline, il y a des gens qui demandent sa carte jaune. Ça, il sous la certification comme quoi la preuve on gagne sa vaccin. Ça dit qu'il arrive si on prend, mais on n'a pas un carte jaune et on peut voyager. Comme si on prend un vaccin, mais seulement on prend sa carte. Bonne question. Avant de voyager, si vous parlez dans un pays, normalement, vous supposez avoir une carte jaune, mais vous supposez vous supposez gagner une carte jaune. Si vous avez quelqu'un qui ne prend un vaccin comme un baba de clinique, ou soit on prend dans l'autre endroit, là où on a l'information dans la clinique, dans le district approprié, pour dire qui vaccin, qui date, qui l'en est, qui son code, et là où on mène le CDC, et là nous sommes capables de prendre une carte jaune. Si on n'a pas carte jaune, là où on peut voyager, on n'a pas la preuve qu'on prend un vaccin. Et il y en a certains pays qui insistent qu'il faudrait qu'on prenne un vaccin à fièvre zone. Et le protocole immigration de ce bon pays, il n'y a pas quelque chose que nous sommes capables de contrôler. Nous sommes capables de contrôler le protocole de l'immigration. Et là, je peux mettre tout le corps de bonnes complications d'immigration que je suis capable de gagner. Là, je peux visiter ce bon pays. Alors, c'est important pour on a la preuve pour dire qu'on prend un vaccin. Et sa carte zone, combien il coûte? Ou dit, nous avons besoin de payer. Combien de jours il prend pour donner? Et 175 ou pi. Et là, vous venez, si on a toute l'information avec vous, vous êtes capable de gagner sa carte zone, même jour, ou aller au compte account pour payer, ou venez, vous gagnez sa carte zone. OK. Bon, un dit, demande à Dr. Adeline si il prend sa vaccin à la fièvre zone, s'il vous plaît, à cause d'un certain nerf, il voit que sa vaccin il fait au plus 10 mal, qui dit bien. OK, première question, oui, petit point pour moi, 2014, alors, moi, je prends de l'état, côté Patrick Offer campagne, et moi, je prends raison à cause de mon petit travel. Mon passé aussi, il y a un nerf qui peut avoir raison, à cause du contraire, nous, un nerf peut aider nous faire une campagne pour prendre un vaccin, pour protéger nos populations de la fièvre zone. Donc, mon passé est côté ingrédient de l'information. OK. Finalement, Dr. Adeline, nous causons de la fièvre zone, et on peut dire avec nous qui là, il n'y a rien. Ça veut dire que Monica a profité jusqu'à mai pour aller prendre son vaccin. Et plus important, ça qu'on peut dire, c'est que même si on n'a pas l'intention pour le moment de voyager, mais pas oublier qu'il est fait qu'il nous en a sa type moustique qui est capable de porter sa virus, alors nous n'avons pas gagné, même si nous parlons dehors. Alors c'est pour sa raison qui est important qu'il nous prenne sa vaccin. Qui pour un message pour conclure, nous ciser la fièvre zone? Bon, mon message, c'est vin devant, vin prendre un vaccin. Ou capable de call CDCU le 438-80-30 pour mettre un appointement. Ou capable de call Koto Clinique pour prendre un vaccin. Et pour bon endroit de travail, vous êtes aussi capable d'organiser une campagne. Côté de l'endroit de travail pour faire ce que vous bon employé aussi in prendre un vaccin. Alors, contactez-nous encore pour organiser un programme pour vous. Un dimon peut demander là au téléphone si. Disons, il prend des fois. Il n'a pas rien mal. Par exemple, il peut dire quand il prend, et après, l'État dit pas mystique. Mais par contre, s'il peut dire il prend une dose après 10 ans, ça on dit nous, OK. Ou soit s'il peut dire il prend une dose après. Dans 2-3 mois après, ben, mystère qui prend l'autre dose. On va voir si ça qui fait ça. Non, very unlikely qu'il prend une dose, de suite, il prend l'autre. La plupart, il faut raison à cause du monde qui prend plus qu'il y a, c'est longtemps au protocole de tous les 10 ans. Okay. Et alors, s'il y en a ben du monde qui prend tous les 10 ans de les passer, et aussi, il y en a ben qui peut-être prend pas masiné quand, ou bien pas assuré, si il prend, il y a OK pour prendre encore une. Si seulement il prend, il connaît qui date et quand il prend la preuve, then il n'a pas bénéfice pour encore une. OK. Ça veut dire, sans cas, pas qu'on est quand, soit pas si, si vous n'avez pas, pas pour faire les autres auditeurs, si vous doublez encore une dose. Il y a OK pour vous prendre encore une dose et si vous n'avez aucun problème, vous êtes capable de venir faire nous connaître. OK. Dr. Adeline, merci beaucoup pour venir avec nous. D'abord, je vous salue. Et bien sûr, profitez là, jusqu'à mai, ça l'en est, ça va accepter d'en pour n'en rien. Sinon, vous avez besoin de payer. Alors, un petit piqui, n'a pas grand affaire. Prends un petit vaccin, la fièvre zone, ou qu'on est. Au costaud demain ces affaires pas bon et nous prenons courage aux autres par le docteur Adeline Indi pour autres soit contacter les autres centres de la santé ou bien côté unit CDCU.